Il a droit, un vrai professionnel, il a droit à 30%. Oh ouais, 30%. Il va te faire sauter 30%. Oh, c'est pas bon. Moi, je vous dis après, il faut pas avoir l'autre. Bon. On va pas passer des nuits à dire derrière. Ouais, mais après, Ben, il va y a des conditions. Il faut d'abord qu'il trouve la vente de la reprise. La radio 33, ça y est, je suis sur son site. Alors peut-être qu'il a marqué le prix, lui. Ça va, ça va. Il s'est libéré aux environs du mois de mars. Non, oui, mais il est à démo, le chien, alors. Là, c'est pas le prix. Il l'a mis dans sa page, mais il marque pas le prix. C'est pas une vie, mais qui va s'acheter les trucs comme ça? Pas plus bon. C'est pour les radios amateurs, ça. Il faut avoir la licence pour acheter un engin pareil. Je pense plutôt que c'est pour celui qui peut se le payer. T'inquiète pas, il y en a qui ont du pognon et qui en gagnent plus qu'on le pense. Tu sais, il y a certains radioamateurs, quand même, ils achètent à crédit, et après, comme ils ne payent pas, ils ont le rééducatif sur l'enveloppe là-bas, c'est tout ça. Il aura plus le coup. Oui, mais ça, c'est ceux qui veulent peut-être plus haut que leur fesse. Qu'est-ce que c'est, pardon, il me dit, c'est ce qui me donne de l'argent. Si ça fait ça, il me dit, pardon, il me dit, j'en ai marre. Il a raison. Il aurait dû marquer le nom, en clair, que j'en pourrais le chercher. C'est pour ça qu'ils en ont de la gueule. Ouais, il sera l'équivalent de l'ICOM 7800. Et l'ICOM 7800, il vaut 10 000 euros. Ah, non. Mais... 10 000 euros le 7800, Fion. Il est beau le 7800 aussi, attention, c'est la bête, hein. Ouais, c'est pas mieux, le 9000, le chez Yannou. Après, il y a le 9. Ouais, mais en effet, si je comprends bien, ils ont tous sorti le haut de la maison. Ouais, il y a un peu de retard entre les deux, là. Non, mais attends, parfois on verra, c'est. Ça représente presque mon petit chalet. Habituellement. Le 10 000 euros, ça va pas avoir grand-chose. Tu sais que ça vaut les petits mobilos, mais qui fait la 800 millions comme tout, on irait des petites maisons, ça vaut 30 000 euros. Ouais, je sais bien, mais après, qu'est-ce que tu as ça aussi? Qu'est-ce que tu veux en foutre après? Tu veux mettre ça sur dans un camp, à payer 2000 euros par an? C'est de la folie. Non, mais tu peux le mettre sur un terrain à condition que la mairie soit d'accord. Je ne sais pas si c'est d'accord les maires, c'est ça, ils font la gueule. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup qui soient d'accord. Alors là, ils sont tous contre. Je crois que même si tu as un terrain, je ne sais pas si tu peux monter un engin comme ça. Je ne sais pas, je ne crois pas. Et chez nous, donc, c'est interdit. Un mobilhome, c'est toléré à condition que tu aies commencé une construction. Mais moi, avec le camping-car, je les baise parce que c'est du matériel roulant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé au sol. Donc, pas de permis de construire. Pas donné que c'est mobile. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne tolèrent pas ces trucs-là. Ils ont peur de pouvoir passer attention. Les dernières technologies, là, les petits chalets sont magnifiques, hein, et avec l'île et tout le bordel. Hein. Ça vaut dans les 30 000, ouais, il faut compter 30 000 euros. Avec le petit perron qui va bien, les balles, les connaisseurs, en tout, 30 000 euros. Quand vous étiez ma belle-fille, le Capterre, là, elle était dans le grand camping qui vient, ils ont pratiquement que ça. Ils le louent, alors je te dis pas le prix, je te dis pas le prix. Ah, mais je le connais, le prix, hein, la dernière fois que j'y étais, j'en ai loué un. Hein. Je te dis pas la cartouche. Il a amorti ça assez vite, hein.
Ah oui, 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 ah, ben dans la saison, ça y est, il est bloqué, il rembourse. Mike. Oui. Allô. Oui, allô, Mike. Alors, juste pour vous dire que je me sors de réveiller ma petite femme, donc je vous fais la bise, bonne journée, peut-être demain matin. Disons, mon petit Hervé, mais tu vas la réveiller ou tu vas la dormir? Tous les matins, tu me demandes ça, mais tous les matins, la pauvre chérie, il faut qu'elle aille pousser les wagonnets. Aïe, 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 aïe. Tu prends un gros peu de tout. Tu dis, on pense à elle qu'elle est courageuse. Ah, s'il te plaît, ma radio, là? Oh, j'adore ta radio, mon chéri, j'adore. Impeccable. Impeccable. Allez, c'est bon, Hervé, touche à rien, les amis, t'es mis à ta chérie et à bientôt. Celui qui fait 3000 euros, c'est le STDX 3000D. Allez, bonne journée à tout le monde. Salut Petit Renard, salut Papio, salut Mirmao et à très bientôt, peut-être demain matin. Et là, je te l'achèterai, Hugo, parce que tu ne peux pas le garder trop longtemps. Salut Petit Hervé, à bientôt. Ah, pour toi, je me laisserai peut-être faire. Ouais, un liquide, cash, comptable, posé sur la table, pas de problème, ton prix sera le mien. Papounet chérie, alors, oh putain, qu'est-ce que c'est qu'ils sont là? Ah, ils veulent pas donner le prix, René, c'est le prix, tu regardes, hein, ils veulent pas donner le prix. Le prix, 5 000 dollars. Ah non, mais attends, faut voir, celui-là, il va être là. Ah, on verra, on en discutera, non, on verra. Non, on va essayer, oui. Non, mais t'as, de toute façon, il va être trop cher. Papounet, on t'aime. Oh. Viens, bon Pierrot. On a mis ta femme, Pierrot. Les amitiés, Pierrot, bisous de Marie. Ah, ta Marie-Jo, ah non, la blasade d'aujourd'hui. Attention, attention. Il est énervé déjà. Ah, hier, oui, oui. Il est beau ce portrait quand même, René. Un jour, on va regarder les cartes. C'est pas ça bien, Papounet, ce matin, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il est beau, moi, je l'ai vu, ça coule. Merci, cavalier de Toledo à toi. Ouais, là, je sais pas, je suis en train de regarder les petits bisous. C'est pas ça bien, Papounet, ce matin. Les gros mensuels, attention, ça va péter dans les roubières. C'est clair et net, Papounet. Ça va éclairer fort. Le mec qui a ça sur la table, par lui, peut se permettre de faire du tennis qu'avait le Canada. C'est ça qu'il faudra, Papounet, là, pour finir ces vieux jours, l'Ambo 990, dernière génération. Et alors, il va falloir qu'il te change ta retraite, et mon petit papinou. Que là, tu m'as dit combien tu gagnais par mois là, et quand tu reçois ton salaire, Jésus, il pleure pas. Oh là là, c'est une grosse. Ça prend rien 40 ans pour toucher ce salaire de merde, non mais je meurs. C'est une grosse. Et ne te fais pas de mauvais sang, mon jeune connu qui gagne 20 000 euros par mois. Un million d'euros par mois. Oh René, t'exagères, 1 million d'euros par mois, putain, il y aura assez pour servir tous les routes qu'on est là. Nous en restez. Mike. C'est vrai, c'est pas sûr, dis toujours, salut, papy. Ah, je voudrais saluer mon petit vieux. Salut mon Pierrot, un peu tout sur le front. Comment vas-tu? Eh bien, en forme. Tu vas t'entendre. Oh merveilleux, compresseur. Là, ça devrait être plus doux pour tes petites oreilles. Parce que là, si tu n'entendais pas, le vieux, il y a les oreilles.